Bienvenue à vous dans un monument du football, un temple du ballon rond. Bienvenue à Anfield. Et voici donc la France contre l'Islande. Grégoire Margoton au commentaire avec sans doute l'anglais préféré des Français, Darren Tullet. Salut Grégoire, toujours un plaisir de commenter un match avec vous. Joliment fait. Et le ballon continue de lui coller au pied. Ça sent la frappe. Oh, la frappe! Bjarnason. Un long ballon vers l'avant. Alfred Finnbogason. Kanté. Qui a un peu d'espace. La passe dans la profondeur. Giroud! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va leur réussir tôt ou tard. La France qui peut construire. Passe lobée sur l'aile. Kanté. Le tableau d'affichage reste gelé. 0-0. Il joue dans l'espace. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long. Le joli geste. Pogba qui cherche une solution. Il glisse le ballon. Allez, jusqu'au bout. But, but pour la France. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Il avait déjà marqué dans cette compétition. C'est donc son deuxième but. Le jeu reprend. Ça fait 1-0. C'est fait. Ils ont ouvert le score. Mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. La bonne passe. Il choisit la profondeur. Ça peut aller. La tentative. Oh, quel bel arrêt. C'est un super arrêt. Fine save.
ça manque un peu de solution. Bien servi. L'Islande qui essaye de construire. S'il le trouve, on le contre, l'arme fatale. Voici Giroud. C'est joué long, attention. Dans l'espace, bien vu. Il peut en profiter. La frappe. Dans la surface. Centre au nouvel essai. Oh, c'est chaud. La France a frappé le corner. Il va certainement tenter de déposer le ballon sur la tête d'un coéquipier. Il sent très fort dans cette... Et la tête ? Oh, elle était belle, cette tête, mais ça ne suffit pas. C'est joué long, c'est dangereux. Alfred Finnbogason, Umtiti qui récupère ce ballon. La passe est précise, il relance côté droit. Il est à distance de tir, dans l'espace, et cette tête ! Ouais, il frappe encore, il marque ! Retour à la case départ, j'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Il est toujours bien placé, la preuve ! C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive ! Alfred Finnbogason qui inscrit là son troisième but dans la compétition. Et c'est... On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. C'était une première période très agréable, on a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score 1 partout. Seconde période est partie. En retrait pour repartir proprement. Pour trouver la faille dans la défense. Allez, ça doit faire. Oui, il peut frapper là. Oh, ça rentre. Le jeu vient de reprendre et les filets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal. Oh, le lob. Quel geste. Quelle inspiration. Et surtout, quel toucher de balle, ce lob est parfaitement ajusté. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Et ils essaient de repartir de derrière. Et la touche maintenant. Bjarnason. C'est joué long vers le poteau de corner. L'Islande qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez. Le bon tacle. La faute. Mendy. Alfred Finnbogason qui a déjà pris le pas sur la défense. Ça joue à gauche. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Il y a peut-être un coup à jouer. Centre travaillé dans la surface. Oh, le cadeau. Il tire. Parade, superbe. Il y a danger. Nouveau ballon dans la surface. Sigurdsson. Oh, attention. Il peut en profiter. La frappe, attention. Il cherche son coéquipier. Islande qui tente de belles choses là. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si ? Non, c'est bien vrai. C'est joué long, attention. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée,
mais le geste était compliqué quand même. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Alors, que va-t-il faire ? Il rejoue derrière lui. Quelle passe ! On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. C'est pas étonnant, vu ce qu'il a déjà fait. À la régulière, il est battu, joli tacle. Ça, c'est une interception parfaite. Il est tout seul. Accélération. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Sidi B qui cherche la faille. Umtiti qui est récompensé de son pressing. Oh, Griezmann, il écarte le jeu. Allez, ça peut faire mal. Il est passé. Oh, l'inspiration. C'est dégagé, loin. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Kanté. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Cette fois, c'est terminé, l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Oh, ça a été vraiment disputé jusqu'au bout et à l'arrivée, cette victoire par un petit but d'écart, que c'est beau. Il remporte facilement ce deuxième match du groupe et s'assure quasiment la première place. Il devrait se qualifier pour le tour suivant maintenant. Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Toute victoire est belle et celle-là va faire beaucoup de bien à cette équipe.